Hey Penny, don't we be your mini. Je connais pas les paroles. On est parti pour la vidéo, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'exception, une vidéo de malade. Le retour des messages cachés dans les musiques des rappeurs et chanteurs. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris à l'introduction, à ce que j'ai chanté juste avant, on va parler de Lil Nas X, parce que oui, il y a beaucoup de messages cachés de malade. Il y a des trucs de hobo dans ces musiques. Donc est-ce que vous êtes prêts? Mettez un maximum de pouces bleus, abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau, tu kiffes le délire, on arrive bientôt à 1 million d'abonnés, je kiffe ça. Franchement, je suis content de faire cette vidéo là. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les messages cachés dans la musique des rappeurs, je vais vous expliquer. En gros, il y a la musique que toi tu vas écouter totalement normalement. Tu vas l'écouter, ça va être une musique normale. Exemple, je sais pas, t'écoutes du The Weeknd. I'll make you cry away. Ça c'est ce que t'entends. Mais apparemment, dans plusieurs musiques de plusieurs artistes, il y aurait des messages cachés une fois qu'on met la musique à l'envers. C'est-à-dire qu'on inverse la musique. Par exemple, dans la musique, tu vas entendre. You make me feel like it's magic. Oh, oh, oh. Cause I see nobody, nobody but you, you, you. Et une fois que tu mets le truc à l'envers, ça va faire des trucs du genre. He's what you behind love Satan, you're you. Des trucs comme ça, tu vois. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais sur Lil Nas X. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le dernier clip qu'il a mis dernièrement, où il y a des trucs de malade qui se passent. Il est en train de faire du ride sur un chétan. Bref, l'intro est beaucoup trop longue, on est parti tout de suite pour les messages cachés dans les musiques de Lil Nas X. Let's go. Dans laquelle il y aurait des messages cachés, c'est Old Town Road. C'est la musique qui a fait connaître Lil Nas X et qui l'a fait exploser. Et si tu la connais pas, c'est la musique qui fait Hey, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can no more. Là, normalement, tu vois ce que c'est un petit peu, tu vois, les chevals, tout ça. Allez, caramel, allez. C'est cette musique-là. Et bien, dans cette musique, il y aurait des messages caché une fois qu'on met la musique à l'envers. Par exemple, à 15 secondes, on peut entendre une discussion très flippante entre trois personnes. Et franchement, c'est une discussion, t'as peur. Et moi aussi, non. Et moi aussi, non. Et le blip, c'est ça. Et le blip, c'est ça. Moi. Franchement, c'est flippant. C'est flippant parce que le truc, c'est que c'est pas comme si on interprétait ou quoi, tu vois. Sinon, on entend vraiment genre le he's here, no, he's here, no. Tu vois, c'est ça en fait qui me fait flipper à moi personnellement. C'est qu'on entend vraiment le truc en fait. Il y a aussi un autre message à 1 minute 33. Et en fait, c'est une femme qui dit un truc, mais en fond, tu sais, genre on l'entend pas très bien. C'est un moment de la musique où il y a plus personne qui chante. Et on entend un truc vraiment bizarre encore une fois. Elle dit help me defeat it. En gros, aidez-moi à le battre. Mais aidez-moi à battre qui? C'est ça le truc qui est bizarre en fait. Encore une fois, à 40 secondes, on peut entendre un autre message caché dans Old Town Road. Et on peut entendre So I'm gay. Et le truc qui me rend avec ce message caché en fait, c'est que déjà on l'entend bien, tu vois. Et si c'est un réel message caché de la part de Lil Nas X, il avait mis dans le son avant de faire son coming out. Donc pour les personnes qui avaient mis cette musique là à l'envers, ils savaient depuis très longtemps qu'il était gay. Franchement kiffant. Mais on va passer au prochain son de Lil Nas X. Et celui là je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Rodeo. You will love me. À 1 minute 24, on peut entendre un truc très bizarre. On peut entendre oh demon. Et c'est vraiment flippant. Donc je pense que t'es pas bête, oh demon ça veut dire oh démon. C'est marrant en fait parce que c'est le refrain de la musique ça, tu vois, c'est le rodeo. Tu vois c'est ça qui fait oh demon. Et c'est ça, ça fait clair un peu quand même. Ça fait un peu peur, bon. Les gars vous êtes pas prêts parce qu'il y a pire que ça. Il y a pire que ça. On passe à Montero. Montero c'est... C'est du boucan, c'est du bruit. C'est le clip qu'il a sorti hier, à l'heure où je fais cette vidéo. Et what the fuck? What the fuck? Franchement, j'étais choqué par ce que j'ai entendu. Comme je vous l'ai dit, c'est le clip qui a fait le plus polémique parmi tous ceux de Lil Nas X. Parce que dessus, il est en train de ride un chétan, il fait des trucs de fou.
en même temps, il faisait de la promo pour une paire de chaussures, paire de sneakers Nike, où dedans il y a du sang. Donc bon. Moi, la dernière fois où j'ai entendu qu'on parlait de sang et d'ajouter du sang quelque part, c'est dans Harry Potter quand il y a Peter Pettigrew qui lui coupe un bout de bras là et qui lui met dans le truc de Voldemort, dans le chaudron. C'est le seul moment où j'ai entendu parler de sang quelque part. Mais bref, sur internet, il y a plein de vidéos qui se focalisent sur sa paire de chaussures, etc. etc. Allez voir sur YouTube. Mais non, aujourd'hui, on va parler du message caché dans cette musique là qui a fait polémique, Montero. Et à 1 minute 41, j'ai entendu un truc de fou. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais je pense que c'est le truc qui m'a le plus surpris et choqué en fait dans la musique. Toujours en mettant la musique en inversé pour entendre un message caché, on peut entendre He lame instead to get in Quran. Ce qui veut dire, d'après la traduction que j'ai essayé d'en faire, il est limité pour entrer dans le Coran. Et là, je me suis dit, Qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'encore une fois, attention, c'est peut-être une interprétation, je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Dites-moi si vous entendez la même chose. Mais c'est très bizarre, parce que quand même, on entend bien le mot Quran. Tu vois, c'est chaud. Et le pire, c'est que on entend ce message caché là, au moment où il se fait juger, dans le clip du coup. Donc, aïe aïe aïe, ça pique, ça touche un petit peu à des trucs qu'il faut pas toucher. C'est de la musique à risque, quoi. Et c'est pas terminé. On va passer à Panini. À 24 secondes dans la chanson Panini, du coup à l'envers toujours, hein, on peut entendre Please don't fall, please go away man. Qui veut dire s'il te plaît ne tombe pas, s'il te plaît pars loin. Mais à qui il parle quand il dit ça en fait? À qui il parle? C'est ça qui est bizarre en fait. C'est qu'il envoie des messages où soit il nous parle à nous, ou il essaie de nous parler à nous à travers des messages cachés, soit il parle à quelqu'un. Vraiment, vraiment hyper bizarre. Du coup, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Voilà, si vous kiffez Lil Nas X, dites-moi le dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez du clip là qui a été posté il y a pas longtemps, de Lil Nas X, Montero. Parce que franchement, c'est vraiment chaud comme clip. Le clip, il est magnifique. Comme d'habitude, Lil Nas X, il est entouré d'une équipe de fous, tu vois, qui fait des clips de fous, qui fait de la CGI de malade et tout. C'est grave stylé. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, si vous entendez les mêmes choses que moi ou pas, et si vous avez trouvé d'autres messages cachés peut-être dans la musique, ou si vous êtes allé chercher. Donc voilà les gens, j'ai kiffé faire cette vidéo, c'était cool, voilà, max de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, peace out. Et kiffez la vie. Everything is going right, no matters. I keep reloading my gun like a killer. Everything is going right, no matters. Keep reloading my gun like a killer. Hey, everything is going right, no matters. I keep reloading my gun like a killer. Hey, everything is going right, no matters. I keep reloading.